je mérite des menaces comme ça? Est-ce que je mérite qu'on me dise qu'on va me tabasser parce que j'ai accepté d'essayer de m'en sortir, de nourrir mes enfants et mes petits-enfants? Qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que vous mesurez même la portée des paroles que vous sortez de vos bouches? On va me tabasser que j'ai fait quoi? L'eau Camini fait pleurer maman Annie Angel parce qu'elle a accepté la main tendue de l'artiste Vassero. Vassero qui est d'ailleurs un artiste engagé de l'opposition contre le régime en place. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt, notre seule et unique malam, celle qui est faite pour détruire, celle qui est faite pour voir le mal partout, celle qui ne voit jamais le bien, ce que quelqu'un fait de bien, elle a fait pleurer maman Annie Anzuel. En bref, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Bonjour mes précieux, excusez-moi si je suis un peu triste ce matin. C'est parce que hier, j'ai vu une vidéo où Laure Camini était en train de me reprocher le fait que j'ai accepté la main tendue de Vassero. Mes précieux, depuis 1990 que j'ai commencé à faire les tournées avec les Angalewas, j'ai chanté Maladie Difficile. J'ai participé à écrire les paroles de cette chanson. La preuve, je l'ai écrite, je l'ai chantée en ma langue. Je n'ai jamais eu 5 francs des droits d'auteur parce que les autres se sont accaparés de tout. J'ai chanté Un Petit Bébé. J'ai chanté plein de chansons. Je n'ai jamais été reconnue. Mon Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi est-ce que je dois refuser la main tendue? Parce que depuis que je suis rentrée au Cameroun, je me bats comme je peux. Et j'ai toujours tendu la main aux autres. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Personne ne m'a dit, Annie, viens, fais comme ça. Voici ce que tu mérites. Non, personne. Le seul vrai cachet que j'ai reçu m'est venu de la Guinée équatoriale. En dehors de ça, je n'ai jamais, on ne m'a jamais payé plus d'un million. Plus d'un million, non, jamais. Je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un me tend la main, Vassero a payé le studio pour que j'essaye de sortir une chanson. Moi, je n'ai pas une relation particulière avec Vassero. Juste qu'il voulait me tendre la main. Et j'ai accepté sa main tendue. Est-ce que je mérite des menaces comme ça? Est-ce que je mérite qu'on me dise qu'on va me tabasser parce que j'ai accepté d'essayer de m'en sortir, de nourrir mes enfants et mes petits-enfants? Qu'est-ce qui ne va même pas? Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que vous mesurez même la portée des paroles que vous sortez de vos bouches? On va me tabasser que j'ai fait quoi? Seigneur, aie pitié de moi. Maman Annie, arrête de couler tes larmes. Tu pleures pour qui? Contre qui? Laure Camini, c'est qui? Elle peut te faire quoi, maman Annie? Maman Annie, tu as œuvré pour la culture camerounaise. Tu as œuvré pour la culture africaine. Maman Annie, tu pleures pour qui? Pour une personne qui est négative partout? Pour une personne qui ne voit que le mal, maman Annie? Quand même, maman Annie, tu nous as bercés. Tu nous as bercés avec la bonne musique, maman Annie. Tu as œuvré, les gens ont vu. Tu as fait, les gens ont vu. Elle a déjà fait quoi? À part de dire que telle personne va mourir. À part de dire que telle personne... Maman Annie, tu pleures pour quoi? Tu pleures pour qui? Tu pleures pour qui, maman Annie Anzuel? Oh, maman! Maman Annie, nous, on te connaît dans la joie. On ne te connaît pas dans ce genre de truc. Que quelqu'un qui n'a jamais rien fait de positif doit venir te faire pleurer. Tu pleures pour quoi, maman Annie? Oh, maman Annie, quand même. Ne pleure plus, maman. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ah, on peut, maman Annie, tu peux pleurer pour quelque chose ou pour quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a tellement marqué dans ta vie. Donc, maman Annie, comme ça, pour quelqu'un qui t'a vraiment marqué, mais quelqu'un qui te marque négativement, qui te fait des trucs. Elle a fait quoi qui a apprécié, maman Annie? Qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle s'est fait de bien? En dehors d'insulter les gens, d'inventer les trucs sur les gens. Qu'est-ce qu'elle s'est fait de bien, maman Annie? Oh, maman Annie. Oh, maman Annie Anzuel. Toi aussi, tu pleures pourquoi, maman? Personne ne peut te toucher, maman Annie Anzuel. Tu as œuvré positivement, les gens ont vu. Tu as fait la bonne musique, les gens ont vu. Moi, personnellement, étant bébé, j'ai grandi avec la musique Maladie d'amour.
J'ai grandi avec cette musique-là, Maladie d'amour. Je connais beaucoup de tes chansons, maman. Toutes tes chansons m'ont bercé. Mais elle-là, oh, vraiment de Dieu. Maman Annie, non. Ne pleure plus pour. Il y a des personnes dans la, pour qui on peut pleurer dans la vie. Il y a des gens, ça dit une personne qui t'a tellement marqué positivement que demain la personne fait quelque chose comme ça, ça te blesse et tu pleures. Mais quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève vient te faire des. Maman Annie, elle c'est qui? Elle peut te faire quoi? Elle a quoi? Elle c'est qui? Oh, Maman Annie. Maman, nous on t'aime, nous tes enfants, nous t'aimons jusqu'à Maman Annie Anzuel. Nous t'aimons! Nous t'aimons. Tu es notre maman. Tu es notre maman. Tu es la mère des mères. Et une maman réagit comme toi. Une maman est celle-là qui tend la main à tous ses enfants. Une maman est celle-là qui tend la main à tous ses enfants. C'est-à-dire, on te dit que ton fils-là, c'est un grand bandit. Tu dis oui, c'est un bandit, mais c'est mon bandit. Hein, maman? Tu es une vraie mère. Tu es une vraie mère, maman. Oh, nous t'aimons beaucoup. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Manon Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur, connaît que ça ne chauffe pas. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Stéphane. Allez sur Play Store ou App Store. Téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire, avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer. Et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABI. Voilà comment NONSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars. Voilà. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. C'est mon directeur. Je fais un peu mon téléphone.